J'ai 57 jours. Sylvana a finalisé le départ de Freya avec la balade en ville et la photo souvenir. Après presque 9 heures de route, Freya est bien arrivée dans sa nouvelle maison et elle s'acclimate très très bien. Nous n'avons aucun doute sur le fait que Sacha s'occupe très bien de notre petite boule de poils, avec la continuité du nourrissage naturel évidemment. C'est donc la fin des reportages sous le format La Minute Aquero, puisque Sylvana a encore énormément de travail pour tous nous préparer au départ et former les familles. Malgré la pluie incessante en Vendée, elle continue de peaufiner les marches en laisse de chacun. Voici donc Vaëli sur le chemin de l'école. Sur cette séquence, Sylvana travaille le changement de rythme avec Vaëli en passant de la course à la marche. Bravo, Juju. C'est pas une petite averse qui va nous arrêter, mais on avait hâte de rentrer. Les chiots vont continuer de bien manger. Nous avons déjà fait toutes les introductions des viandes et poissons les plus communs. Maman Féline continue d'allaiter ses chiots au moins 3-4 fois par jour pour le plus grand bonheur de Sylvana. Nous continuons de la faire tourner en bourrique, en particulier pour le ramassage des crottes. Et la désensibilisation continue, ici, avec la voiture radio télécommandée. Enfin, si Love la laisse avancer. Et une jolie gamelle en direct. Et pour ceux qui s'inquiètent du devenir de nos chiots, non, nous ne les mangeons pas avec des mojettes.